Hey, bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien, je suis en direct du CCJVQ édition du 18 mai 2024. Donc encore une fois, on peut voir en arrière de moi énormément de personnes, beaucoup de kiosques pour se procurer des jeux vidéo rétro ou plus récents également. Donc je vais faire comme d'habitude une petite tournée et vous montrer qu'est-ce qu'on peut y retrouver. Merci pour les vidéos que tu fais, buddy. Hey, c'est gentil, merci beaucoup. Ça fait plaisir, man. Ça fait plaisir. Continue. On se reparle tantôt après mes vidéos. Alright, bud. Bye. Ciao. Je suis arrivé à temps. Ben oui, juste à temps. Ça vient? Ouais, ça fait toi? Oui, oui, oui. Tu peux te plugger. Ah, j'ai le droit. Oui, oui, je te plug. Vas-y, plug. King Troll TV, YouTube aussi. Plein de vidéos sur les jeux vidéo. Si jamais les jeux vidéo, ça vaut la peine. Je suis bien d'accord, je regarde ces vidéos, c'est vraiment bon. On fait du bon contre Québec. Hein? Oh, oui, oui, c'est bien correct. Il n'y a pas besoin de manette, mon amour. À plus tard. Merci. 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 Allô, Annie! Hey, salut! Ça va? Oui, toi, ah, ben là, si je t'avais vu venir avant, j'aurais pu flasher, dire, hey, regarde. Vas-y, vas-y, prends ton temps. Ah, oh, t'as pris le DLC de ton mort? Oui! Je l'ai acheté comme ça, moi, je l'avais acheté. On se refait tantôt. Moi, je l'ai acheté dans le temps. C'est pas des graines. Non. Je pourrais t'en prendre du coup. Ok, check. Quoi, tu vas prendre le tour? Il y a un port. Right? Il y a un port. La tata.
Allô, Simon? Ça va? Oui, toi? Yes, ma'am. Bonjour. Ça va bien? Hey, ça vaut la peine? Faut que je prenne le temps de regarder ça. C'est magnifique. C'est fait par vous? C'est fait par vous? Oui, oui, absolument, oui. Vraiment? On est deux? Deux? Oui, mais c'est... Mettons, c'est 90 mètres, 1%. C'est magnifique. Ça vous prend combien de temps de faire une console? Entre 60 et 120 heures, dépendamment laquelle. Wow! Quand même! Vraiment! C'est impressionnant! Vraiment! Je suis pas un client pour ça, mais je suis le gars qui va te faire pas mal de pubs. Je pense que monsieur ici a un site internet. Oui, oui, oui. On va prendre le temps, on va faire une... Allez voir, c'est Flashback 90, c'est ça? Excellent. Ça vaut la peine d'aller voir. Merci. Tout une façon de faire.
Hello, Valérie. Hello. Ouais, c'est fini les liens de qu'il y avait sur Price Chart. Ah, merci. Hello, hello. Je sais plus, parce que ça se peut que ça soit dans les gens. Allô, allô? Ah, on va continuer la run. J'ai décidé de faire ma présentation de mes acquisitions en direct du CCJVQ, donc je vais y aller assez rapidement en rafale. J'ai le jeu Broke Force sur Nintendo Switch si vous êtes amateur des films d'action des années 80. C'est vraiment un jeu à découvrir. J'ai également John McCormick, vous l'avez sûrement vu dans la vidéo, qui m'a offert la compilation Worms sur Evercade. Donc, merci beaucoup à John McCormick. Je me suis également procuré la compilation Xenocrisis et je suis pas certain du jeu, cette compilation-là ici, Dual Game, on peut voir, je vois pas bien le titre du jeu, Tanglewood, voilà. J'ai également la compilation arcade de Data East que j'ai aussi sur Evercade. Ensuite, je continue avec sur Nintendo DS Prince of Persia de Fallen King. Voilà. Je suis bien content aussi NES Remix Pack sur Wii U. J'ai déjà à la maison la version Ultimate NES Remix sur 3DS. Mais celle-là ici contient beaucoup plus de mini-jeux. Donc, bien content. On y va avec ici maintenant en rafale des jeux Game Boy Advance. Donc, Crash Bandicoot Purple. Petit jeu de Finding Nemo. Oups, pardon. Petit jeu de Finding Nemo. Un bon jeu, il paraît. Max Payne. Bien content. Crash Nitro Kart. Toujours sur Game Boy Advance. Prince of Persia, The Sands of Time. Spyro, Season of Ice. Monster Inc. également. On continue maintenant dans des jeux Game Boy Color, Disney Tarzan. Un jeu de Tiny Toon, Adventure Wacky Sports. Jeu Prince of Persia. Je pense que c'est le tout premier jeu de la franchise. J'ai également le jeu Millen's Secret Castle Terminator 2. Judge Dredd, basé sur le film avec Sylvester Stallone. Également Darwin Duck, de la franchise de Disney. Ici Conker's The Pocket Tales. Voilà, un petit jeu de puzzle, Q Billion, et celui que je suis vraiment content, Contra The Alien Wars, donc l'adaptation du jeu sur Super Nintendo qui paraît qu'il est vraiment très bien fait, il contient aussi certains niveaux
un petit peu différent comparativement à la version Super Nintendo. Donc, c'est les acquisitions que j'ai faites aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous avez pris le temps également d'être, si vous avez eu la chance de venir au CCGVQ. Donc, si vous étiez présent, laissez-moi dans les commentaires quelle acquisition vous avez fait, qu'est-ce que vous avez pensé de l'événement. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. Et pour l'instant, mais je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!